Yo, à la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening bien sûr. Et aujourd'hui on va aller voir ensemble tout simplement le petit test de la Athena SS qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, hein, 14 jours sur la version globale. Alors, j'avais fait une première vidéo en vocation, si tu veux la voir, n'hésite pas, elle est juste ici sur le bouton i. Ou malheureusement je ne l'avais pas eu, mais tenez-vous bien, il s'avère que... Là on est samedi, pour l'instant j'ai rien de spécial, donc je suis à 206 invocations, 240 je sais plus, un truc dans le genre. Et puis voilà, on va continuer, on espère avoir de la chance aujourd'hui. D'ailleurs, live sur Twitch tous les samedis à 14h sur Sensei Awakening, parce que sur Twitch on fait plein de choses, mais le samedi c'est réservé du coup à ça, à 14h. Et on va commencer sur la constellation d'Athéna du coup. D'ailleurs là on est sur Twitch actuellement, vous pouvez le voir avec le petit chat qui s'affiche en haut. Alors on a Hadès. Hadès et Athéna, on invoque sur qui d'abord? Athéna. Alors on va lâcher une petite multi sur Athéna. Alors là c'est le truc que je déteste parce qu'il n'y a pas de bannière. Du coup si j'invoque il n'y a pas de bannière, c'est à dire que je vais rien drop. Et encore une fois, ouais j'aurais dû attendre. Ah non c'est moi ça. J'ai drop quoi? Au final, elle est tombée et j'ai eu non pas une, non pas deux, mais trois Athéna. Donc, j'en ai eu une première sur la vidéo que je viens de vous montrer, un petit extrait. Une deuxième en continuant à faire mes 40 singles quotidiennes. Et puis, encore une au shard. Donc, autant vous dire que je suis plutôt très content parce que je vais pouvoir, sans mettre de boucles de jeu, parce que, sachant que j'ai pas beaucoup de boucles bleues, il faut des boucles verts qui équivaut à deux boucles bleues. Les doublons de SS sont très très importants et font grave plaisir, donc je vais pouvoir la monter avec ces petits tomes là. D'ailleurs, petite annonce, tous les soirs pendant le mois du Ramadan, je fais des lives sur Twitch à 19h30 jusqu'à l'heure de manger. Donc n'hésitez pas à passer, hein, que vous le faites ou pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est de passer un bon moment ensemble et de voilà passer le temps, on fait plein de trucs, on regarde Koh-Lanta en ce moment, c'est grave drôle. Et n'oubliez pas d'ailleurs, tous les samedis 14h, le petit live sur Sensei sur Twitch, juste pour vous. Je vous mettrai tout le lien dans la description, etc. C'est Moha SMT le Twitch. Et puis voilà, venez, plus on est fourré, c'est grave bien. Donc, pour la petite Athéna que je vais vous montrer juste ici. Alors, je l'ai monté rudimentairement tout simplement parce que je ne l'utilise pas. Voilà. Je vais pas vous mentir, je l'utilise pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, en ce moment, on a plus des compos qui sont tournés autour de persos qui n'utilisent pas beaucoup d'énergie. Comme Milo, comme Miyu, on a des Shen Hades, etc., etc. Misty, que des persos qui n'utilisent pas beaucoup d'énergie. Je n'utilise pas le Doko, j'ai pas son Reaper Close, mais bon, bref, ça m'intéresse pas pour le moment. Et la Athéna, ses deux d'énergie au premier tour vont pas forcément me servir, sachant qu'elle reste quand même excellente. Comme vous le voyez, j'ai débloqué pas mal de son potentiel au niveau du 8ème sens. Il me manque que ça à monter. Hop, on va être sur du combien. Alors, il manque pas mal de vie du coup, vu que cette partie-là, je l'ai pas montée. Mais on va être sur des stats qui sont assez corrects. Hein, voilà. Au niveau des HP, en gros, j'aurai du 29 000, je pense, quand je l'aurai monté. On va avoir presque 6000 d'attaque, voilà. C'est vraiment rudimentaire, hein. C'est vraiment la base des bases au niveau de la vitesse. Je l'ai un peu monté, donc on va être sur du 494. Ce qui est plutôt correct, ma foi. Et puis, par contre, je l'ai joué dans le dragon. Alors ça, déjà, c'est une dans le dragon inutile. Faut pas la mettre, celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai. J'ai dû misclick. Mais ce qui est dommage, c'est que quand vous jouez Match Miroir avec une autre Athéna, bah, elle va vous one-shot sans que vous puissiez activer cette dent dragon là, donc préférez jouer décélérateur par exemple pour mettre tout simplement la petite baisse de vitesse. Alors pour ce qui est des compétences du coup, j'ai monté le sceptre bien sûr level 2 et la terre d'amitié level 2, ce qui m'a permis, enfin d'amour et de paix, ce qui m'a permis de débloquer du coup son 8ème sens à fond, toutes les branches, et de récupérer donc les éclats de tome vert qui étaient récupérables dans le carnaval juste ici. Alors je vais vous faire un test moi, mais ça va être pas un test en PVP normal, ça va être une team fun que j'aime bien jouer en duel sacré. En duel sacré parce que je me suis rendu compte que c'était pas forcément le mieux de vous montrer la Athéna que j'ai là avec 2D, c'est pas très intéressant au niveau des compétences. Là j'ai vraiment une team super fun à jouer.
Et je peux un peu vous montrer son potentiel et pourquoi je la joue ici. Donc je vais plutôt vous la montrer en duel sacré. Alors il faut savoir qu'en duel sacré, on a tout de maxé. Donc pour Athéna, clairement, c'est très bien. On va jamais l'avoir 5-5-5-5. Hein, mais ici, on va pouvoir quand même avoir un gros aperçu de son potentiel. Alors, bon, clairement, voilà. C'est une team que j'aime bien jouer, c'est une team fun. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je la joue. En gros, ici, on va avoir le grand pop qui va consommer énormément d'énergie et le Hades qui va coûter 2 pour lancer tout simplement son pacte. Enfin, son éclipse, pardon. Donc, ici, le but, ça va être quoi? Ça va être avec Pog de rediriger les attaques sur Miyu. Et ce même Miyu, en fait, je vais utiliser le skill d'Athéna pour gagner de l'endurance. Donc on va voir juste ici. Il y a un perso qui tape avant. Je vais peut-être pouvoir vous montrer ce que je veux vous montrer. On va voir. On va voir donc. Première étape, hop, on va rediriger tout simplement les attaques vers Miyu. Deuxième étape, on lance la terre d'amour et de paix pour gagner 2 d'énergie. Et le tour supplémentaire si le skill est minimum level 3 de mémoire. Alors ça, c'est l'attaque de base, donc qui va pouvoir être lancée sur un allié et qui va faire tout simplement qu'on va gagner 1 d'énergie à chaque fois que cette cible-là va être tapée. Donc en fait, je le mets tout simplement sur mon Miyu qui a la croix de pop. C'est-à-dire que les attaques vont être redirigées vers mon Miyu. Et dès qu'il va se prendre un coup, normalement, voilà, là, attaque de zone, est-ce que ça marche? On vient de gagner 1 d'énergie, donc parfait. Comme vous le voyez, dans une team comme ça qui utilise beaucoup d'énergie, ça fait extrêmement plaisir. Tour 1, je vais peut-être pouvoir lancer l'éclipse. Plus l'Another Dimension, qui est un sort qui coûte énormément. Là, j'ai pas eu de chance, il a visé Pog. Il a visé Pog, le seul perso qu'il fallait pas qu'il vise, le seul perso qui n'a pas de PV. Donc, c'est dommage. Alors, ici, vous voyez, j'ai 6 d'énergie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais double tour mon Miyu. Et j'espère que le petit Milo va venir m'attaquer. Comme ça, son attaque va être redirigée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Est-ce que son attaque va être redirigée? Voilà, l'attaque elle est redirigée directement. Donc là, vous voyez, je viens de gagner 2 d'énergie parce que en plus derrière, il y avait le boost de Shanades qui vient taper. Donc le premier tour, je me retrouve avec pas moins de 8 d'énergie, sachant que j'ai déjà utilisé une d'énergie avec mon Shanades, qui est super cool. Alors, ce qui est dommage ici, c'est que il est focus mon. Malheureusement, mon Yoga Pog, dès le tour 1, ça c'est vraiment pas de chance pour le coup. Alors bon, ça c'est gratuit, hein. Ça c'est pas de chance, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est vraiment, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. J'ai vraiment le seum là parce que je réservais de grandes choses. Alors là, le Ikki, il a focus à Athéna et ça va me permettre de montrer quelque chose qui est très cool, c'est que si Ikki arrive à tuer Athéna de toute façon, elle va ressusciter parce qu'elle va avoir 100% de chance de continuer à combattre pendant 3 tours. Donc pendant 3 tours, il va continuer à attaquer, mais il va infliger 0 de dégâts. Donc ça, c'est plutôt bon à savoir. Là, j'ai le seum parce que normalement, j'aurais dû avoir mon petit Miyu qui aurait eu l'assist de Yoga Pog en fait. Qui aurait eu l'assist de Yoga Pog et donc qui aurait tué en un seul coup le petit Jamian. Mais bon. Vu qu'on n'a pas de chance. Hop, voilà. Je vais pouvoir vous montrer l'exécute d'Athéna. Donc ici, peu importe le perso à quoi comme bouclier, ça dégage directement lorsqu'il a moins de 30%, 35% de ses HP au level max. Donc c'est très très fort. Ça va de 15 à 35% selon le level auquel vous avez monté le skill. Et ici, bon, je vais vous avouer, là, je suis pas super bien. On va voir comment ça va se passer. J'aurais pas pensé que mon Yoga Pog serait passé comme ça au premier tour. Ça me gêne beaucoup. Là, c'est mon Hades. Ah, voilà. Bon, l'Another Dimension qui a fonctionné, heureusement. Il était temps. Bon, là, on va pas chercher à comprendre. On va bourriner sur le petit Milo. Ah, Miyu. Ah là, j'ai pas de chance. Hein. J'ai pas de chance, moi, dès ce qui passe. Bon. Du coup, on se retrouve avec. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Et là, alors, j'ai réfléchi, je me demande si c'est pas mieux de. Alors, faut savoir que Ikki, en fait, si je l'exécute en mode phénix, bah, tout simplement, il va mourir définitivement, il va pas ressusciter derrière comme d'habitude. Je vais essayer de vous montrer ça. Si j'ai un peu de chance, ça peut le faire. On va exécuter direct le Milo. Hop. Bon, la Athéna, là, du coup, elle va rester. Si je compte bien, elle va rester qu'un seul tour en plus. Alors là, on va double tour le pop. Pourquoi faire? Tout simplement pour relancer la Nother Dimension. Et espérer que son Miu bah, se mange la Nother Dimension, en fait. Parce qu'il y a un tour de latence entre les deux. Et ça me permet tout simplement de la relancer en lui mettant le double tour. Sachant que je souffre pas du coup supplémentaire. Vu que le premier coup, c'est une auto-attaque. Bon, là, malheureusement, c'est passé. Parce que, voilà, le deuxième ne passe pas. Le troisième ne passe pas non plus. Ok, donc c'est le dernier tour qui reste à Athéna, si je me souviens bien. Là, vous voyez que tout simplement le Ikki adverse, il est en zone rouge. Ça veut dire que Athéna va pouvoir le one shot tout simplement. Donc là, il peut mettre le lien. Vous allez voir tout de suite. Regardez ça. Et là, le Ikki adverse, il meurt sans rien en fait. Ça compte pas la liane de June, ça coûte rien du tout. Il s'est juste fait exécute, c'est tout. Hop, on va double tour. Le petit Miyu. Alors là, on va essayer. Bah, on peut pas contrôler en fait le Miyu adverse, sachant qu'il est immunisé. Donc, on va essayer tout simplement de le faire à la June pour éviter qu'elle lance son lien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, ça, c'est vraiment une team que j'utilise pour le fun. Hein, mais je la trouve carrément fun à jouer. Essayez chez vous. Parce que de toute façon, suffit que vous ayez les persos en fait que j'ai. Et puis après, ils seront montés au max de toute façon. Donc, Miyu qui se mange une première Another Dimension, une deuxième Another Dimension. Sachant que ça a 50% de proc au level max. Donc, c'est plutôt énervé. Alors là, par contre, on va avoir tout simplement Athéna qui va disparaître ce tour-ci normalement. Si j'ai bien compté. Mais ça nous aura laissé le temps. Enfin, laissé le temps à Miyu de faire le travail. Voilà. Alors, là on peut s'amuser les gars. Ah là, il s'est rendu. Il s'est rendu. Donc, comme vous le voyez, il y a plein de techniques marrantes à faire hein, avec Athéna. Donc, faut pas négliger son premier skill qui, s'il est bien utilisé, peut vraiment vous donner un gros avantage au niveau de l'endurance. Son exécute, comme vous l'avez vu, là c'était au niveau max. Mais il a fait vraiment énormément de dégâts sans. Et avec, c'est juste un carnage. Comme vous voyez, le Ikki, je l'ai juste annihilé en fait. Il n'a même pas pu retourner à sa forme de base. Il est directement mort. Et ça, c'est très, très, très fort. En plus, comme vous avez vu, moi, il est mort dès le début, en fait. Donc, j'ai pas pu vraiment faire grand-chose avec. Mais comme vous voyez, j'ai gagné à la fin. Grosse dédicace au grand Pop, hein, comme vous l'avez vu, qui reste très, très fort avec Another Dimension Level 5. 50% de chance à chaque coup d'échouer. Sachant que l'adversaire Miyu, il joue 3 fois. Normalement, il y a au moins une fois ou une fois. Et puis voilà, super cool ce combat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça ferait grave plaisir. À laisser votre petit pouce bleu et à me dire en commentaire tout simplement ce que vous aimeriez voir. Et puis, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée. A bientôt sur Twitch pour les lives ou sur YouTube bah, pour une vidéo tout simplement. Ciao, ciao, portez-vous bien.